Bonjour à tous, nouvelle vidéo Road to 2007. Ça fait un moment que j'ai pas joué en partie classique et là ça reprend dur. Je suis arrivé hier à Paris pour le match contre Hans Niemann. On a 6 parties à cadence classique, on joue au Blitz Society. Je suis à 5 minutes à pied là de mon hôtel. Je suis pas loin parce que 2 parties par jour, ça fait beaucoup d'échecs. Et ce matin, 10h du matin, je joue E4 et Hans Niemann qui arrive directement de Londres, il vient de jouer un match contre Vitiu Goff et il a été voir quelques parties du match Jospem Kramnik qui joue après E4 C5. Dans tous ses matchs, hein, contre Anish Giri aussi, il fait une série de matchs contre les joueurs du monde entier. Et d'ailleurs, s'appelle Niemann versus The World. Il a joué pas mal de E5, mais aujourd'hui il décide de jouer C5. Ok, je joue cavalier F3, D6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6. Et ici une petite surprise, un petit coup, le petit coup fou D3, un coup. Bon, cavalier C3, hein, c'est évidemment le coup principal. Fou D3, c'est pas la meilleure case pour le fou, mais on défend le pion E4, on va peut-être jouer du C4. Et ici, après un petit peu de réflexion, il joue cavalier C6. Cavalier prend C6. Pion prend C6. Petit roque. G6. Alors, il a un bon centre. Hein. Je fais B3. Fou G7. Fou B2. Petit roque. Cavalier C3. Et ici, il joue dame A5. Un coup assez intéressant. Il menace parfois des cavaliers prend E4. Souligner un peu la faiblesse de C3, donc je réponds par dame D2. On renforce C3, et après son coup fou A6, alors il veut échanger ce fou, hein, le fou qui finalement il est vers le pion E4, mais il est quand même pas si mal hein, parce qu'il contrôle quand même les deux ailes. Donc fou A6, il a un peu moins d'espace, on comprend qu'il veuille échanger au moins une pièce. Je joue tour à D1, je prépare parfois des cavaliers de D5 par exemple, et c'est pour ça qu'il va jouer tour F8 par exemple. Bon, s'il joue le coup le pire de la position, tour à D8, ici on a la tactique cavalier D5, dame prend D2, cavalier prend E7 échec, roi H8 et tour prend D2. Donc en préventif il joue tour F8. Ici la position elle est à peu près égale, je vais pas jouer le meilleur coup, je vais jouer cavalier A4. Je cherchais un peu mon coup ici hein. On joue en 1h30 plus 30 secondes par coup, sans rajout au 40e. Et ici, il avait peut-être 1h12, et moi peut-être 1h25. Et j'ai cherché mon coup, mais j'ai pas trouvé, pas réellement trouvé. Donc je fais cavalier A4, dame prend D2, tour prend D2. Ici, il va jouer un bon coup, fou B5. Après, fou prend D3, puis on prend D3. Par exemple, C5, E5. Ici, je sais pas, ça me semblait assez jouable, bon, une position égale mais assez jouable, mais fou B5, c'est vraiment un bon coup, puisque ça force cavalier C3. Si fou prend, puis on prend cavalier C3, on a ce problème sur la grande diagonale. Je joue cavalier C3 tout de suite, ici cavalier prend E4, fou prend E4 évidemment. Il joue A6, je jouais tour E1. Cavalier D7, alors ce que on veut pas faire côté blanc, c'est jouer un coup comme A4 qui affaiblirait un peu B3. Hein. Donc c'est pour ça que je joue tour E1, cavalier D1. On renforce, on laisse B3 assez fort. Et sur fou prend D3, je joue pion prend D3, A5. Il veut jouer A4 et jouer avec un îlot de pion contre 2. Je vais bien jouer, je vais faire fou prend G7, roi prend G7, cavalier B2. On empêche A4, il joue C5. Je joue F4. Prend un peu d'espace, la position à peu près égale, et après cavalier B6, je joue E5, je m'attends un peu à A4, cavalier C4, cavalier prend, pion prend, et ici on va voir que dans cette position, le pion B3 c'est un peu comme le pion D6, hein. Deux pions faibles avec une position totalement égale. Il joue D5, ok, un coup très normal aussi, je joue tour C1, attaque C5, tour C8, tour C2, A4, sacrifie le pion, mais pas vraiment pour longtemps. Ici, je joue tour prend C5, évidemment, tour prend, AB, AB, tour A2. Alors, tour 1, roi F2, tour A2, il y a clouage, mais j'ai tour C2 hein, qui défend. Évidemment, il commence par tour A2,
Je joue cavalier à 4. On doit tout échanger. Alors après un coup comme tour C2, il avait peut-être du D4 ici pour cavalier D5. À noter que si j'ai un tempo de plus, la variante que je viens vous montrer, si je joue D4 ici, c'est pas du tout risqué parce que j'ai le roi qui arrive rapidement en E4. Donc après tour A2, cavalier A4, le bon coup, cavalier prend, pion prend, tour prend A4, tour prend D5, tour prend F4. Ici, j'ai un petit peu pris mon temps quand même. Faites attention dans ce genre de finale. C'est totalement égal. Mais parfois, la tour noire, elle est quand même plus active. Le roi G1 qui est coupé. Mais après D4, 6, tour D8. G5, G3, tour F3, G4. J'enferme également son roi. Tour D3, roi G2. Et cette première partie se termine par la nulle. Alors, je ne vais pas vous laisser sur votre fin et tout de suite vous montrer la deuxième partie. Avant de commencer, j'en profite pour remercier encore Range Computing qui m'aide, qui me prête en tant que joueur des processeurs pour pouvoir préparer mes tournois et notamment ce match. Donc j'ai des turbines qui tournent là en ce moment. Merci à cette société parisienne, amie des joueurs d'échecs, quelques joueurs d'échecs dans la société, qui fait du rendu graphique. Donc si, n'hésitez pas à aller les voir, je vous mets en description leur site. Ils font aussi de la location de serveurs, ça c'est plus pour les pros. Merci à eux en tout cas de m'aider pour mes prépas. Et si vous voyez aussi le logo gmhans.com, eh bien, c'est le sponsor du tournoi, du match, de la série de matchs de Hans Niemann. C'est son site, mais c'est également son sponsor. Je vous le partage. Et il y a peut-être, si vous voulez voir les parties en direct, en général, vous le voyez sur le site. Vous pouvez aussi voir sur son site le détail du tournoi, si vous voulez venir au Blitz Society vendredi ou samedi. Je crois qu'on ne peut pas être beaucoup, donc il fait des tickets. Je crois que c'est 35 euros la semaine. Mais bon, c'est par principe. N'hésitez pas à aller voir son site. Voilà, il fait des choses en anglais aussi. Et allez, on part tout de suite pour cette deuxième partie. Alors, après la première, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu et de réviser. Même si on joue à 16h, ok, on a fini à 12h30. J'ai pu récupérer, réviser pour cette partie, jouer 4, sans grande surprise, le coup qu'il utilise en ce moment, C5, cavalier F3, E6. Je reste fidèle pour l'instant à la time man off. Il joue D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, dame C7, fou E3, A6. Et là, il joue dame D2. Alors, c'est un des coups principaux, évidemment, de la time man off. Mais il avait été surpris dans son match précédent contre Nikita Vityugov, il y a à peine une semaine hein, qu'ils ont joué cette partie. Il avait choisi le coup fou D3. Ok, aujourd'hui je joue dame D2. J'ai pris pas mal de temps dans l'ouverture. J'ai joué cavalier F6, grand roque, fou E7, la grande ligne, F3, B5, cavalier prend C6. Alors il y a beaucoup de possibilités ici dans cette ouverture. On va passer assez rapidement. Cavalier prend C6, D prend C6. Alors parfois, alors il attend B5 pour prendre en C6 parce que sinon, souvent on prend du pion B, on ramène vers le centre et ça nous permet de jouer des D5. Ici après cavalier prend C6, parfois on peut jouer dame prend C6. Ici c'est plutôt D prend C6 le coup. G4, il commence une attaque mais je joue E5 dans le centre. Il joue H4. Ici je vais jouer fou E6. Il me joue assez rapidement dame F2. Et après, un petit peu de réflexion. Là, j'ai en tout. Hein, j'ai dépensé déjà peut-être une demi-heure, 40 minutes. Désolé si j'ai pas réussi à mettre les temps là. Mais bon, je joue. J'ai analysé les parties pour moi. Et déjà, je vous les commande. Ça me fait plaisir. Ça me permet de les revoir en plus. Il n'est pas trop tard d'ailleurs. Évidemment, avec mes turbines qui tournent pour demain. Après, dame F2 ici, j'ai joué fou B4 qui est, j'ai pas mis d'imprécision sur l'échiquier, ça me paraissait un très bon coup. Mais ici, après réflexion, il va faire la faute fou C5, fou H3 qui est donné
par les moteurs d'analyse sur des machines puissantes, qui est pas facile à avoir. Hein. Après, fou prend C3, casse la structure pion G5. C'est ça le coup un petit peu clé ici. Et ici, on est obligé de jouer caille D7 parce que regardez, si pion prend C3, cavalier D7. Et ici, après G5, on n'a pas le temps de faire fou prend H3 à cause de G prend F6. Alors, c'est encore compliqué, hein, mais en gros. Et après un coup comme cavalier D7, fou prend E6, il nous casse la structure. F prend E6, B prend C3. À noter d'ailleurs qu'il n'y a pas de fou prend B2 échec. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, ouais, ce qui renforce encore la complexité, hein, de la position. Je crois que c'est roi prend B2, pion prend E6, fou C5. Mais ok, sur l'échiquier, jouer comme ça, c'est pas facile. Ça a l'air plutôt ok pour moi. Mais l'ordi donne avantage blanc. Après, F prend E6, pion prend C3. C5 pour éviter les fous C5. Ici G6 c'est fort, H prend G6, fou G5. Ok. Bon, évidemment, lui comme moi, hein, il a analysé, il a vu qu'il y avait fou H3. C'était peut-être dans son fichier, à moins qu'il ait loupé fou B4, qui est quand même un coup logique, hein, sur l'échiquier, fou B4 à jouer. Bon, on verra pour vraiment le suivi des ouvertures. Il a joué fou C5. J'étais très content, je me suis dit, ok, bon, c'est quoi cette prépa? Je joue fou prend, dame prend et cavalier D7. J'ai un meilleur fou, un meilleur cavalier. Et là, je me suis dit, ok, il est obligé de jouer dame E3. Si, ou dame D6, ok, dame D6, je risque absolument rien. Déjà, je pensais peut-être jouer grand roque, mais peut-être aussi dame prend D6 et tour C8. Ok, s'il rentre en finale comme ça, il a pour l'instant la colonne D. Mais mon cavalier est meilleur, mon fou est meilleur, mes pions sont meilleurs, il a une case faible en F4, ses pions sont pas terribles. Ok, assez rapidement, après cavalier D7, il décide de jouer dame A3. Alors là, j'ai pas compris parce que je vois tout de suite que dame A7, dame C5, c'est pas mal. Et après réflexion, je joue encore mieux dame B6. Alors je vais vous expliquer pourquoi dame A7. Je joue encore mieux dame B6 en calculant que cavalier D5. C'est un de ses plans, hein, avec ce H4 G4 d'ailleurs. J'ai peut-être loupé une ou deux variantes à vous montrer, mais en gros, après des cavaliers D7, il y a des cavaliers D5, puis on prend D5, puis on prend D5, et le fou est enfermé. Les blancs souvent gagnent la paire de fous, ou ouvrent la position grâce à ce cavalier D5, et changent surtout un cavalier qui est dans les bons pions noirs, donc un cavalier qui est pas très bon contre un fou qui rayonne des deux côtés de l'échiquier. Et après ce dame A3, là, je trouve ce dame B6, et je vois cavalier D5. Alors, j'ai pas vérifié à la turbine, mais après cavalier D5, j'ai vu pion prend B4. Ici, si dame A4, je vous invite à trouver le magnifique coup noir en mettant sur pause, mais le magnifique coup, c'est petit roque. Pion prend E6, cavalier C5, j'enferme cette dame, pion prend même roi H8, ok. J'encaisse la dame. En calculant dame B6, je regarde évidemment aussi après B4 un autre coup comme dame B3, mais cavalier C5, dame E3, fou D7, dame prend E5, roi F8, ça me paraît à minima sans problème pour moi. Hein. J'ai une pièce de plus pour deux pions, mais je peux continuer l'attaque. Je vais peut-être commencer à 5 à 4. Ok, j'aurais été très heureux de jouer cette position. Ouais, je pensais pas que c'était prépa, hein, dame A3. Ok, ça m'a pris encore du temps, hein, donc je perds pas mal de temps pour tous ces coups. Et ici, il me fait dame D6, et là, je vois directement le magnifique grand roque. Magnifique grand roque. Bon, à voir, hein, les cavaliers D5 marchent pas du tout parce que pion prend, dame prend B6, le cavalier protège la dame. Ici, on va menacer des découvertes. Et oui, c'est terrible parce que s'il retourne. Avec la dame par exemple en D2, je vais juste jouer cavalier C5, il n'y a pas de dame E3 ou dame F2 à cause du cavalier B3 et dame prend E3 ou dame prend F2. Du coup, il ne conteste pas les cases et après dame bouge, B4, on tient la case A4, il y a A2 qui tombe. Donc position très difficile où il va prendre beaucoup de temps, il ne va pas jouer le meilleur coup. Le meilleur coup c'était tour H2 mais très dur selon l'ordi, tour E8, tour D2, roi B7. Et ouais, là l'ordi donne avantage noir. Mais en pratique, c'est terrible parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec la dame. Et ok, il joue le coup logique fou E2.
Et ici, je vais prendre pas mal de réflexion au lieu de jouer le coup basique tour H8 qui était très fort. Alors, j'ai dû louper en tout début parce que j'ai essayé déjà, ici je cherche un gain déjà avec les noirs, et tour H8, j'ai dû m'embrouiller un tout petit peu. Je ne sais plus exactement pourquoi j'ai refusé de jouer tour H8. Et par exemple, après A3, ici, il y a le très fort cavalier F8. Je vous invite à trouver pourquoi ça gagne. Eh bien, en fait, après... Bon, déjà, j'imagine qu'un cavalier D5, on a fou prend D5, ça c'est fait, mais ça marche jamais. Il y a aussi les tours prend D6 qui est prend B6, roi C7 et le cavalier B6 qui va être enfermé. Et après dame prend E5, il y a juste dame E3, échec, roi B1 et fou A2 qui gagne la dame. Est-ce que c'est ça que j'ai loupé? Est-ce que j'ai loupé ou tour D2? Mais tour D2, ça c'était très simple, hein, la menace de tour H8 c'était fou prend A2, cavalier prend A2 et cavalier C5 enferme la dame. Bon, après fou prend A2, l'ordi donne encore dame A3, fou E6, cavalier D5. Avec certaines chances. Mais ok, ici, je vais gagner un pion. Ok, net avantage. Est-ce qu'il trouve tour D2? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué tour H8. Je pense qu'en pratique, c'était extrêmement difficile pour les noirs. Une partie que j'aurais certainement gagnée assez facilement. Je joue cavalier C5. Alors, je mets deux points d'interrogation. C'est pour le fait que je joue pas le coup simple qui donne un net avantage. Je choisis cavalier C5, évidemment, sur cavalier D5, tour prend D6, qui est prend B6, roi C7. Le cavalier qui est enfermé en B6. D'ailleurs, cavalier D5, fou prend D5 aussi. Et il joue dame prend E5, comme j'avais prévu. Je joue F6 sur B4. Ok, j'aurais peut-être pu jouer B4, mais j'avais prévu de jouer F6 avant. Dame F4. Et ici B4, et j'ai beaucoup réfléchi à cette position en jouant cavalier C5. Je me suis dit que ça semblait très fort et j'avais plus trop de temps, hein, peut-être 15, 20 minutes peut-être à la pendule. Et je me suis dit, je vais me garder du temps pour cette position. Malheureusement, ici c'est un peu à double tranchant. Et après le bon coup B3, d'ailleurs je mets un point d'exclamation, mais en réalité, cette position, tour prend D8, tour prend D8, tour D1. Tour prend D1, fou prend D1. Alors, franchement, j'étais sûr de trouver un clair avantage ici, peut-être par cavalier E6, dame F5, dame D4, mais en fait, pas du tout. L'ordi tient facilement ça avec les blancs. Mais il a dû avoir peur aussi un peu de cette position. Il choisit de jouer B3. Et ici, après B3, ouais, je vois que c'est pas si simple. Hein. Les sacrifices marchent pas en B3. Le A5, il joue cavalier D2. Il faut que je garde un. Hein. Sur cavalier de D2, il faut que je garde cette idée dame A5, dame A3 mat. Bref, sur cavalier E6, il a dame F5, clouage. Donc je joue le bon coup, roi B7, un très bon coup prophylactique, hein, si j'arrive à jouer A5, A4, ou après cavalier de D2, j'avais trouvé, je crois cavalier E6 ici, oui, dame F5 et dame D4, puisqu'il n'y a pas de dame prend E6 échec, et ici je vais mater. Donc roi B7, et je me dis, ok, sur fou C4, je vais probablement ici jouer soit A5, je vais probablement jouer A5 avec l'activité. Une position pas claire, mais ok, ça semble plutôt bien pour les noirs. L'ordi qui dit que c'est vraiment pas clair en position, j'adorais ma position. Et ici, je joue E5, point d'interrogation, je vous invite à trouver le bon coup pour les noirs que j'ai malheureusement loupé. Ici, cavalier prend B3, était extrêmement fort. Bon, après, roi B2, cavalier D4. Ou pion prend B3, et c'était ça l'idée qu'il fallait trouver. Pion prend, fou prend, tour prend D8. C'était tout simple. Dame C5, échec. Si fou C4, tour prend D8. Cavalier D2 et tour D4. Et ici, je gagne. Et ici, roi B2, et ben, c'est dame C2, échec, roi 1, dame A2 mat. Oh bah ça va. Ouais, bah, il va y avoir plein de positions pour l'académie, ça. Mais j'aurais mieux fait de le trouver sur l'échiquier. malheureusement. Après, qui prend, pion prend. Fou prend. Il était obligé de jouer roi B2. Fou prend D1.
tour prend D1 par exemple, tour prend D1, fou prend D1. Et ici, après pion prend, dame C7. J'ai deux pions et tour. Si je rentre en finale, ça va être gagnant. Alors il a peut-être des chances, des petites chances de nul. Mais ok, il n'y a que moi, j'ai net avantage et il n'y a que moi qui joue le gain ici. Je joue malheureusement ici. Cavalier E6, deux points d'interrogation. Un net avantage manqué. Et ok, ici je m'attendais à Dame E4 avec une position pas claire. Et sur Dame C4, j'avais prévu Cavalier C7. Et dans le feu de l'action, je vois qu'après EF, GF, alors Cavalier C7 pas mal hein, pour revenir ici, fou D3, je peux pas jouer Cavalier D5 parce qu'il a Cavalier D2, Dame A5, Cavalier E4. Je vois un truc comme ça. Et je me dis, ok, si je fais fou prend B1, roi prend B1, je peux pas être mieux, il n'y a que lui qui joue ici. J'aime pas trop. Ok, je passe d'une position où j'étais vraiment bien en fait. Je ressasse pas le tour H8 évidemment. Mais bon, vous comprenez que quand on est bien, 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 des fois on n'a pas envie d'être même un tantinet moins bien. Je décide de jouer cavalier D4 avec peu de temps, là, peut-être une dizaine de minutes. Mais ça va être l'erreur quasiment décisive. Il fait pion prend F6, pion prend F6, dame F7 échec, roi B8. Ok, bon là fallait lancer la pièce et jouer roi A8, fou C4 et A5 avec encore des chances. Roi B8 c'est faute, fou C4. Et ici en fait c'est nettement mieux pour les blancs. Je vais faire fou prend B1, roi prend B1. Et bon la position est très difficile. Tour HF8. Dame prend H7, cavalier prend F3. Et ici, il joue le très bon coup, dame 4. Si, cavalier D2, échec. Tour prend D2, tour prend D2. Dame F4, échec. Il gagne la pièce, donc je joue cavalier E5. Je joue G5, mais ici, c'est déjà avec son roi qui était faible. Regardez, maintenant, c'est mon roi qui est faible. Et le pion G, c'est la cata. Bon, je joue encore quelques coups. Mais c'est malheureusement perdant. Et j'abandonne. Après tour F1, première journée difficile, hein, un petit peu les montagnes russes. Cette partie, malheureusement, bah ouais, j'étais un peu trop confiant peut-être un moment. Dommage, tour H8 quand même. Il faut savoir jouer simple. J'ai voulu être maximaliste et en fait c'est tour H8, le coup simple qui donnait un clair avantage. Bah écoutez, à 1,5, 0,5, hein, on repart au boulot demain. Essayer de trouver des idées et calculer un peu mieux, même si c'est quand même difficile. Hein, là, la position était vraiment difficile à jouer. J'étais un petit peu peut-être trop optimiste, un petit problème de temps. Je sais pas. On se retrouve bientôt. Alors, on verra, je verrai hein, si j'ai le temps de vous faire les vidéos. Si j'ai l'envie, on verra là aujourd'hui. J'avais envie. Sinon, je vous rappelle que je passe la semaine au Blitz Society, vendredi et samedi. Donc, on joue les rapides et les Blitz. Demain et après-demain, encore deux fois deux parties à cadence classique. Et lundi et mardi, j'en ai profité pour rester et faire un petit stage au Blitz Society. Je vous mets en description, si vous êtes sur Paris et que vous voulez faire un petit peu d'échecs avec moi dans un super lieu, je vous dis peut-être à bientôt en réel ou sinon je vous reposte les vidéos avec j'espère un petit peu plus de réussite. Au revoir tout le monde.